Ok, bah salut tout le monde, salut, salut, salut. Bah on se retrouve pour l'épisode 4 du coup de The Isle Ice. The, voilà quoi, vous m'avez compris. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'épisode 3? J'étais à 84%, je crois, à la fin de l'épisode 3. Là, je suis à 97, comme vous pouvez voir. En gros, j'ai beaucoup joué en off, bah, parce que tout simplement, c'est très long. C'est très long, et vraiment, vu que je joue de façon très safe. J'essaie clairement de me foutre dans un petit coin et de vraiment pas bouger. Donc du coup je suis là. Ça c'est mon terre-terre. Ouais c'est plutôt stylé hein. C'est chez moi tout ça là. Voilà. J'ai croisé un raptor qui s'est suicidé. J'ai croisé le mec qui est là-bas aussi, Lord Shadow. Je crois que c'était hier que je l'ai croisé. Et bah du coup on va faire un petit bout de chemin ensemble je pense. Après on verra bien comment ça se passe, je crois que c'est un mâle si je me rappelle bien. Donc bon, on commence à friter quoi. Obligé. Et du coup ça c'est mon petit terre-terre, c'est un cul-de-sac là-bas. Qu'est-ce qui se balade ici? C'est une IA. Hein. C'est clairement une IA ça. Ouais, dégage. Chez moi ici. Mais bon, reste pas loin parce que je vais te bouffer à un moment donné. Ah, donc vous voyez que j'ai tué un petit Triceratops. Hein. Tranquille. Sans se faire égrailler de temps en temps. Là-bas en bas, vers là où je regarde, il y a une petite source d'eau. Donc on est vraiment pas mal ici. Je vais vous montrer sur la map à peu près où je suis. Voilà, du coup. Hier, quand on s'est quitté, on était à peu près par là. Dans ces eaux-là, je crois. Dans cette zone vers ici où ça gueulait dans tous les sens. Et donc du coup à la dernière fois dans l'épisode 3 on a fait à peu près ce chemin à peu près là dans ces eaux-là je crois. Et du coup en off j'ai fait tout ça voilà pour vraiment me foutre à l'abri vers ici là. Et du coup moi vous voyez je suis là très exactement dans cette espèce de cul-de-sac, c'est un endroit qui s'appelle Sanctuary. Donc voilà, je me suis dit Sanctuary, c'est Sanctuaire. Voilà, objectif, bah essayer de retourner plus vers le centre de la map où il y aura plus de joueurs. Où on pourra grailler tranquillement. Bon, en fait, objectif, rejoindre Lord Shadow tout simplement. Voilà, ça c'est Lord Shadow. Bon, j'ai enlevé le petit nom au-dessus là. Ça c'est Lord Shadow. Du coup, c'est un autre T-Rex mâle. C'est validé. Mais bah écoutez, c'est. Ouais. Il y a sa gueule dans tous les sens ici. Ça va partir au clash à un moment donné ou quoi avec lui, c'est quasiment sûr. Hein. On peut pas s'entendre quoi. Deux T-Rex mâles, on peut clairement pas s'entendre. Donc pour l'instant, on va profiter de cette présence rassurante. De ce T-Rex jaune et bleu. Enfin. Et ensuite, ben on partira. On sera obligé de se séparer quoi. Oh, du coup, on va passer la nuit tranquille. On se retrouve demain matin pour grandir un coup. Bon, sauf s'il se passe un truc un peu what the fuck pendant la nuit, mais s'il se passe rien, bah du coup, à demain. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Il vient juste de pop devant nous, lui. Le mec, il vient de se connecter, il était là. Vas-y, gros, vas-y, gros, barre-toi. Voilà, ça, c'est un adulte, hein. Ça c'est un adulte. Quoi? Il me dit pas de panique. Il me dit pas de panique, c'est le mec qui. Du coup lui c'est le mec qui gère le serveur mais du coup ouais bah ouais t'as un énorme T-Rex qui pop devant toi ouais ça fait peur quoi Kistis désolé mais pas rester à côté quoi du coup moi je suis d'avis de partir d'ici quand même en vrai parce que on voit que c'est le territoire de gros T-Rex.
donc pas cool de rester là tout simplement. Du coup on se casse. On se casse. Ok, bon. Vous entendez, ça gueule dans tous les sens. Ça gueule dans tous les sens ici. J'ai bien envie de voir ce que c'est quand même. Il y a un truc énorme qui a l'air de... Enfin, il y a un truc qui gueule qui a l'air d'être énorme. Là, vous entendez là. Alors, on a perdu notre ami T-Rex. On l'a perdu. Ah non, il est toujours là-bas. Mais il s'est déco du coup. Enfin, il s'est déco. Il va se déco. De toute façon, on va plus pouvoir jouer avec lui. On va plus pouvoir jouer avec lui. Parce qu'on est à 100%, tout simplement, on est à 100%, on fait très exactement 2,8 tonnes avec une puissance de 450 newtons dans la mâchoire. C'est plutôt costaud. Après j'ai envie de passer adulte le matin, histoire de voir la diff quoi. C'est une perte de temps un peu mais bon. En vrai j'ai vraiment envie de voir ce qui se trame là-bas quoi. On commence à y aller hein. C'est pas une bonne idée. La curiosité. J'ai faim ou pas? Ah, y'a des raptors, y'a des... Je sais pas ce qu'il y a d'autre. C'est tout que j'ai vraiment envie de voir ce que c'est. Je vais y aller les gars, j'espère que ça va bien se passer, c'est tout. J'espère juste que ça va bien se passer. Ah, il est juste là, je crois. De ce côté. Je sais pas du tout ce que c'est, je vois rien. Ah. What the fuck, vous voyez ce que c'est? Oh, c'est stylé. On voit pas trop quand même. Peur en fait. Vas-y, vas-y. Embrouille pas toi. Du coup, ouais, c'est tout simplement ça qui gueule. Bon du coup là pendant qu'on y est on va quand même évoluer parce que bon, à un moment donné on est là pour ça. Ah lui on peut pas le bouffer hein. Clairement qu'on peut pas le bouffer. Trop gros hein. Ça a l'air ingérable. Donc du coup on va évoluer parce qu'on est à 100% depuis 3 plombes, j'attendais le matin. Évoluer donc allez, c'est parti hein. Et voilà,
C'est bien là. Là ça y est là, on est costaud. On fait quoi? On fait 3 tonnes de... Là ça commence à être lourd cette histoire. Je crois que je l'ai mis en pression. Aïe aïe aïe, est-ce qu'il me dit quelque chose? Non. Wesh, il attaque, salette. Je suis innocent. Je sais pas si c'est pour moi. Mais t'es sans le but, on a vraiment à bouffer pendant 1000 ans quoi. En vrai, il est trop stylé celui-là. Ce bruit là. Olé olé olé. J'ai pas encore totalement adulte hein. Là il me faut encore 1h40 pour devenir full. Donc on va quand même continuer à jouer tranquille parce qu'on est pas... En gros là je crois que j'ai la moitié. Oh ouais, ça crie de partout là. Calmez-vous, vous voyez pas que je parle. Là en gros je suis juste à la moitié de ma puissance max au niveau de la... Au niveau de la force là. Vous voyez, ça augmente encore. Bon, on a vu une carcasse devant, on va la bouffer hein. Beaucoup de dinosaures là dans le coin. Je pourrais mieux faire bouffer maintenant clairement. Ouais, je mange un macro quoi. Du coup il y a tellement de dinosaures que ça lag. Pourquoi il se couche ce con? Je veux pas qu'il se couche, je veux qu'il se mette en position d'attaque. Il y a un gros truc là-bas aussi. Et petit dino, je sais pas trop ce que c'était, mais bon. Je crois que c'était un bébé Rex. Rip le bébé Rex. Point de là-bas, il y en a un qui est giga énorme. Je sais pas trop ce que c'est, je me sens que c'est un gigano adulte. Il y a un spino aussi au fond. Il y a trop de trucs ici, hein, c'est clair.
essayer d'impressionner, mais... J'ai l'impression que ça marche beaucoup, hein. Bon, écoutez, on va se mettre à côté de cette carcasse. Voilà. Bon, du coup, je pense que on va stopper cet épisode ici. On a fait un bon petit bout de chemin. Voilà, ouais, je pense qu'on va se faire un petit tartare vers ici, ça m'a l'air pas mal. Voilà, donc on va rester là, je pense. Donc pour aujourd'hui, c'est fini, on a enfin réussi à devenir adulte, les amis. Donc là, maintenant, l'objectif, ça va être de trouver une femelle. De faire un nid. Et ça gueule dans tous les sens, hein. C'est incroyable. Allez, on se revoit dans l'épisode 5. Ciao, guys.